Bonsoir. Je m'appelle Katia Mauroa. Depuis plusieurs années, je travaille chez Médico International. Je suis responsable, par exemple, du bulletin qui paraît tous les trimestres. Je vais animer notre, dernier, euh, notre dernière discussion sur la restructuration de le monde. Et avant que chacun des participants euh, prenne la parole, je vais les présenter rapidement. Mais avant. De présenter notre premier invité, Mark Haywood. Je voudrais vous rappeler le début de notre conférence. Nous avions fait une minute de silence pour notre collègue et ami Norman Singh, et cela m'a et cela m'a rappelé ce qu'il avait dit. Euh, il ne s'agit pas seulement de voir la vie, aussi d'essayer de d'avoir de, ces visions de la vie, même face à l'adversité. On voit par exemple, nous avons vu que les personnes risquent leur vie parce qu'elles veulent vivre de façon totalement différente, comme nous a dit euh, M. Tchangari hier. Et, Saïd nous l'a également dit. Il a parlé, parlé un archive de la de la mémoire après la guerre civile. Nous avions aussi pour cette minute de silence, nous avions repensé à cet ami qui avait donc fondé cette archive et qui avait tout fait pour que l'on garde cette mémoire des guerres civiles. Et en voulant préserver cette mémoire, malheureusement, il a été assassiné. Hier, nous avions une intervenante de l'Inde qui n'a pas pu participer à notre forum, d'Isharavi parce qu'on lui a dit que ça risquait de lui valoir une peine d'improvisionnement. Et. Malheureusement, bien qu'elle n'ait pas pris la parole hier, elle a été arrêtée aujourd'hui par le régime maudit. Donc, même si nous avons parlé beaucoup aujourd'hui de l'action, nous devons toutefois également euh, admettre que nous sommes dans le nord privilégié et que nous sommes... Euh, nous pouvons parler, nous exprimer et que nous risquons très peu même quand nous avons l'impression de nous engager et que d'autres risquent beaucoup plus et assument toute une série de risques que nous ne connaissons pas et qu'il y a une hiérarchie des risques et que nous sommes soumis à des risques de manière très différente. Voilà ce que je voulais dire en introduction de nos propos et de notre panel actuel. Donc, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire à partir de l'Europe? Et pour en discuter, nous devons évidemment l'aborder avec le point de vue de ceux qui ne sont pas en Europe. C'est pourquoi nous avons demandé à Mark Haywood de venir nous parler. Il est journaliste en Afrique du Sud et depuis des années, et nous travaillons avec lui, nous discutons avec lui. Il est journaliste et il est également le. Publie le journal le plus lu en ligne d'Afrique du Sud. Et il est devenu aussi célèbre parce qu'il a été l'un de ceux qui a lutté pour l'accès au médicaments entrés rétroviraux pour la lutte contre le sida, pour que cela devienne un droit pour tous. Ce n'est pas seulement un accès pour les personnes vivant dans le nord privilégié. Il va aborder aujourd'hui les conséquences de la pandémie du COVID-19 et aussi le scandale de ce nationalisme des vaccins comme nous le voyons aujourd'hui. Il va nous montrer aussi à quel point le, nous avons vraiment une hégémonie de, de des, des plus riches et à quel point ce point de vue est absolument un point de vue à très court terme qui est voué à l'échec et à quel point il est stupide. Marc, tu as la parole. Bonsoir. Et je me réjouis de vous saluer d'Afrique du Sud. Pour moi, c'est un immense privilège de pouvoir me joindre à vous euh, et de me joindre à vous dans cette conférence. J'ai écouté les dernières heures de la conférence et j'espère que vous avez eu une conférence couronnée de succès qui a pu peut-être susciter à la fois de la colère, de l'énergie, des idées et un sens de, aussi de, la, de ce qui est possible, de ce que nous devons faire pour changer le monde. Et c'est quelque chose qui nous a été à nouveau démontré dans les inégalités qui ont été présentées aussi par la COVID-19. Et je dois dire que c'est un immense privilège de pouvoir prendre la parole ce soir et dire à quel point cette amitié qui me lie depuis des années à Médico International en luttant dans les tranchées de l'accès à la santé pour tous. Et après avoir entendu la présentation de Thomas Kebauer, qui vient de précéder cette, ce panel, en fait, il n'y a quasiment plus rien à dire pour moi, parce que j'ai l'impression que Thomas a à peu près articulé toutes mes pensées et tous les défis auxquels nous devons faire face dans le monde entier. En particulier, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous voyons que nous avons des activistes qui essaient de dépeindre une alternative qui pourrait galvaniser les mondes dans le monde entier vers l'idée qu'une meilleure société et un meilleur monde serait possible. On m'a demandé de parler ce soir sur la COVID-19 et comment. Euh, cela nous affecte en Afrique du Sud et dans les pays en développement et, le, et ce problème du nationalisme vaccinal et qui a conduit à ce que l'on pouvait prévoir donc véritablement prévoir que le fait que il n'y a pas suffisamment de vaccins et que la distribution des vaccins est absolument euh, injuste mais avant que je le Enfin, je pense qu'avant de parler de la responsabilité de l'Europe, je pense qu'il est important également de souligner à quel point nous devons comprendre les défis de, de la COVID-19 pour euh, l'avenir. Je pense qu'il est important de voir la COVID-19... Euh, comme une question de justice sociale. Je crois que samedi prochain est la journée mondiale de la justice sociale. Et s'il y a une chose que la COVID-19 a su faire, ça a été véritablement de faire tomber les masques sur les excuses pour l'inégalité et l'injustice sociale qui existent dans le monde entier. Ce n'est pas un hasard si cette pandémie est profondément euh, hors de contrôle dans les pays où il y a une immense inégalité, où il y a le moins de liberté, où, où nous avons également euh, des systèmes de santé qui sont très faibles et très mal développés. Je dirais que la COVID-19 a un causer la disruption d'une fausse dichotomie entre l'idée que l'on avait le, du nord et du sud. Et cela nous a montré la vulnérabilité à la maladie est liée très étroitement à l'inégalité, aussi au fait que l'on vous enlève vos libertés où que vous soyez dans le monde et que, que ce soit dans les pays ou entre les pays. Pour reprendre ce que, quelque chose que dit Thomas, je crois que ceci exige également une discussion très sérieuse sur notre façon de comprendre la solidarité telle qu'elle a été perçue au XXIe siècle et les étapes pratiques qui doivent découler de cette compréhension. Lorsque je regarde l'Afrique du Sud et lorsque je compare l'Afrique du Sud aux États-Unis, à l'Inde et au Brésil, des Pays qui à la surface semblent être très, en surface semblent être très différentes, très différents les uns des autres, mais qui en fait font l'expérience d'une situation très similaire où les, pays, les populations les plus pauvres, les populations de couleur sont les premières victimes et les victimes les plus importantes de la Covid 19 et je crois que cela permet, nous aide à comprendre ce qui se passe. Nous n'avons pas encore une image tout à fait précise de cette pandémie et de ces chiffres. Nous dépendons des capacités des systèmes de santé pour pouvoir mesurer le nombre d'infections et le nombre de décès. Par exemple, en Afrique du Sud, officiellement, nous avons 1,5 million de personnes ayant été testées positives à la COVID-19. La réalité est que qu'il y en a quasiment certainement deux fois plus, si ce n'est si trois fois plus, de personnes ayant une infection à la COVID-19. Lorsque je me suis préparée à cette conférence aujourd'hui, j'ai vu un article avec de nouvelles recherches sur des tests antigéniques qui ont, été, euh, des, qui ont fait des dons du sang entre décembre et janvier de cette année. Et nous voyons que dans une de nos provinces, la province de l'est du Cap, 63 des personnes testées ont eu un test positif à la COVID-19. La, la province de l'est du Cap n'est pas un pays, c'est une province. Mais ce serait sinon, si c'était un pays, ce serait le pays avec le plus fort taux de mortalité euh, du monde. Et les raisons sont dues à la pauvreté, à la malnutrition, à la préexistence d'une toute une série de maladies non contagieuses et le fait que nous avons aussi bien sûr des problèmes de gouvernance et un gros problèmes d'inégalité. Et ce qui s'applique à l'Afrique du Sud s'applique à d'autres pays Af... en Afrique du Sud, s'applique à d'autres pays d'Afrique et à d'autres pays en développement on avait l'impression que l'Afrique n'avait pas été touchée par cette la première vague de la pandémie mais lorsque la deuxième vague a commencé et en novembre et décembre et continue encore aujourd'hui nous avons vu un impact beaucoup plus important sur les systèmes fra de santé fragiles ou non existants mais parce que la vie n'est pas mesurée et valorisée dans un grand nombre de pays euh, en développement et eh bien la mort est, et aussi la morbidité n'est pas et la mortalité n'est pas mesurée de façon correcte ce que j'essaie de dire c'est que dans les pays en développement l'impact de cette maladie de cette pandémie quant à la morbidité et la mortalité et je ne parle même pas des impacts sociaux et médicaux vont cet impact va beaucoup plus loin que ce que vous pourriez penser jusqu'à présent. Et cela me mène jusqu'à mon deuxième point, au deuxième point que je voulais mentionner, qui a trait à la solidarité et à ce que l'Europe peut faire. Si le COVID-19 a vraiment tiré avantage de l'injustice sociale, la conséquence de cette pandémie sera encore d'augmenter les inégalités et de, de renforcer encore ces déterminants socio-économiques et politiques. Nous devons comprendre que si nous n'arrivons pas dans notre campagne de à lutter contre le nationalisme dans nos campagnes de vaccination et à avoir des campagnes de vaccination transnationales et transfrontalières, eh bien, nous sortirons de cette crise encore beaucoup plus affaiblis face au gouvernement corrompu et à l'autoritarisme que nous le sommes déjà à présent. C'est pourquoi je pense que l'un des dangers les plus importants auxquels nous faisons face. C'est que nous voulons contrôler, c'est de contrôler cette pandémie et ensuite de revenir à la vie d'avant, à la vie normale, entre guillemets. Ce que nous voulons, ce n'est pas comment est-ce que l'on revient à la normale, euh, entre guillemets, mais comment est-ce que l'on peut éviter de revenir au normal que nous avions avant la pandémie. Je prends l'exemple de mon pays pour essayer d'expliquer ce que j'essaie de vous dire ici. En Afrique du Sud, la COVID-19 et le confinement et les politiques anti-droits de l'homme, anti-pauvres, qui ont été utilisées pour essayer d'endiguer de de la pandémie, ont coûté au moins 3 millions d'emplois. Le taux de chômage est à plus de 30% en Afrique du Sud, ce qui a conduit à une augmentation de la famine. Plus de 12 millions de personnes ont faim, la malnutrition enfantine. Et ce sont des choses qui ne sont pas suffisamment abordées. Et je crois que c'est le cas dans un grand nombre de pays en développement. Et cela a eu un impact sur les. Euh, système de santé pour d'autres pandémies pour d'autres causes de morbidité et de mortalité. Je pense que nous avons euh, été renvoyés euh, nous avons pris un retard immense par exemple dans la lutte contre la tuberculose et un hein, d'autres nombre de d'autres services sanitaires qui sont des droits et des droits au niveau international ainsi des droits dans la constitution euh, sud-africaine. Mais Malheureusement, la, les populations les plus, plus pauvres ont été les victimes aussi les plus importantes de la COVID-19. Les riches ont été relativement peu touchés et les élites ont en fait prospéré. Par conséquent, il y a un risque que dans deux ans, 24 mois, on ait une combinaison de vaccins et d'interventions non pharmaceutiques ait pu endiguer cette pandémie, on risque de vouloir négliger les conséquences socio-économiques de cette pandémie et de revenir à l'ancienne normalité. Et c'est pour ces raisons qu'il est nécessaire, à mon avis, D'avoir une compréhension politique de ce dont nous parlons lorsqu'on parle de la COVID-19. Depuis que l'épidémie a été déclarée une pandémie, depuis donc plus d'un an, la réponse internationale a été en fait désastreuse. La pandémie a pris de court. Les, sociét les sociétés et les gouvernements. Cela a pris vraiment avantage de nos euh, systèmes de santé qui étaient des systèmes de santé souvent affaiblis, qui étaient peu... Euh, ou mal financé, pas assez suffisamment. Et malgré tout, depuis deux décennies, nous avions vu déjà un certain nombre de pandémies et la réponse n'était pas, pas la bonne. Nous n'étions pas préparés, nous n'avons pas eu de coordination. Il n'y a pas eu non plus de règlement. Les de respect des réglementations internationales ou des différents droits. J'ai entendu tout à l'heure un intervenant disant qu'il y avait un recoupement entre la COVID-19 et d'autres droits socio-économiques. Si l'on regarde à la pareille des droits de l'homme des Nations unies, on voit régulièrement des recommandations sur la COVID-19, sur les droits d'accès à la médecine, les droits d'accès à des conditions sanitaires décentes, la COVID-19 et l'assurance sociale, mais aucune de ces actions recommandées n'a été suivie ni mise en œuvre par les gouvernements. Mais je ne pense pas que nous devions être véritablement surpris, comme l'ont dit les autres intervenants. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'on ne peut pas séparer la réponse à cette pandémie de. La crise politique et économique qui existait dans notre monde auparavant. On ne peut pas attendre des miracles ou euh, attendre à ce que les gouvernements surmontent leurs propres divisions ou que des États euh, stoppent la corruption, l'austérité pour avoir des réponses efficaces à un virus qui met tout le monde en danger et qui met les personnes les plus vulnérables le plus en danger. Et ce nationalisme vaccinal est une nouvelle phase de cette réponse. Mais une fois de plus, les inégalités que, face à cet accès au vaccin nous montrent très clairement que toute attente que les vaccins pourraient être véritablement le miracle ou la panacée pour essayer de contrôler la pandémie, eh bien, ces attentes sont totalement erronées. Pour nous, pour le moment, personne n'a été vacciné et on pense que dans les semaines à venir, le programme de vaccination va commencer en Afrique du Sud, mais ce n'est pas le cas au Malawi, au Zimbabwe, en Zambie, etc. D'autres pays qui vont continuer à supporter le fardeau de cette pandémie sans la moindre intervention pharmaceutique ou autre assistance. Et si nous. Réfléchissons à cette trajectoire. Eh bien, nous devons comprendre que la COVID-19 -19, n'est pas quelque chose qui est passager et qui est qui va. Je pense que c'est quelque chose qui va être, avoir un impact sur l'inégalité et sur le développement pendant un grand nombre d'années. Quels seraient donc les jalons qui nous permettent de mesurer aussi la réponse à cette pandémie. D'une part, la science, d'autre part, la réaction des organisations internationales et pas seulement la science médicale. Et troisième, bien sûr, la fondation du système de santé publique. Il y a deux jours, la revue médicale Lancet a dit que la coopération médicale pourrait peut-être aider à avoir une meilleure gestion de la pandémie avec, par exemple, des confinements locaux, avec l'interaction et avec la coopération. Mais tout cela est présenté de façon très abstraite et totalement séparé de l'inégalité et de la réalité au quotidien des personnes vivant dans les pays les plus pauvres. Je suis tout à fait d'accord avec ces priorités, mais ce que je voudrais dire encore, c'est qu'est-ce que cela signifie pour les activistes en Europe, par exemple. Et je pense que je peux suggérer six points. Le premier, il est nécessaire de sortir d'une conférence telle que celle-ci et de mobiliser dans les communautés de manière à faire comprendre que la COVID-19 est liée à d'autres luttes, des luttes sur l'inégalité et, et par exemple aussi la xénophobie et la migration. La COVID-19 a. Fait que des millions et des millions de personnes voient de plus en plus les échecs du capitalisme, mais n'a pas montré aux personnes comment l'on peut essayer de surmonter cette crise, surmonter ces manquements du capitalisme. Et ça, c'est critique pour l'avenir. Je dirais également, comme d'autres intervenants l'ont dit, qu'il est important de renforcer l'OMS, mais également d'avoir un cadre beaucoup plus important de droits humains et également de responsabilisation pour que l'on demande plus, ou on exige plus de transparence, comme on l'avait fait dans l'épidémie de sida pour insister que le droit à la santé va et est au-dessus de certains droits de propriété, par exemple, et que l'on mobilise pour essayer, par exemple, d'aider aussi la, la demande d'Afrique du Sud qui avait demandé que l'on abandonne un certain nombre de règles de l'OMC sur, la, par exemple, l'accès la, aux vaccins. Sinon, nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir atténuer les effets de cette pandémie. Et pour finir, je dirais qu'il est absolument nécessaire et indispensable d'exiger de, un plan de reconstruction et de relance post-COVID à l'échelle mondiale. Ce que nous, le traumatisme causé par la COVID-19 était euh, équivalent, par exemple, aussi au traumatisme causé par la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou pour nous en Afrique du Sud, lorsque on est sorti de 350 ans de colonialisme et d'apartheid et on a besoin d'une relance fondamentale et d'une révision fondamentale de nos normes sociales et de doivent être et cette révision doit se baser sur le mouvement des droits humains. Merci de m'avoir écouté et maintenant je vais passer la parole aux intervenants qui vont me suivre. Marc, j'ai encore une une question. Ce que moi ou ce que je me demande régulièrement, c'est pourquoi on n'est pas arrivé sur la base de... Les, la lutte qui a été, euh, par exemple, menée pour l'accès aux médicaments antirétroviraux et sur leurs brevets, leurs propriétés intellectuelles, je pense qu'aujourd'hui, qu il semblerait que ce soit encore plus facile de faire breveter et protéger par des brevets de tels vaccins. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas véritablement tirer les enseignements d'une crise sanitaire mondiale pour essayer d'en prof... faire bénéficier la prochaine Ça, c'est une autre discussion. Mais je pense que ça, c'est justement l'un de nos échecs en tant que société civile, c'est que nous n'avons pas suffisamment appris les leçons que nous aurions pu tirer de la lutte contre le sida, le VIH-sida. Et en fait, on est revenu à la case départ en Afrique du Sud avec la COVID-19 au début des années 2000. Et jusqu'en 2008 à peu près, avec la mobilisation internationale qui a conduit à l'accord de en 2001, les, les grandes entreprises pharmaceutiques, pharmaceutiques ont été mises sur la défensive en disant que juste parce qu'on avait dit justement que l'accès à la médecine était un droit humain et qu'on avait mis en lumière cette volonté d'en tirer d'énormes bénéfices financiers. Mais malheureusement à partir de 2009 les entreprises pharmaceutiques ont pu reprendre le dessus parce que plus personne ne remettait en con, ne remettait en question le comportement de ces grandes entreprises pharmaceutiques et on avait ensuite des entreprises qui pouvaient fabriquer par exemple des médicaments génériques avait été par exemple on a eu une L'Inde, par exemple, s'est retrouvée euh, dans des situations difficiles parce que l'Inde ne voulait pas accepter un certain nombre de règles de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que nous, en tant qu'activistes, nous avons tout simplement baissé la garde à un moment alors que nous avions reporté un certain succès et nous avions garanti l'accès à la. Euh, aux médicaments pour le SIDA, VIH-TIDA, mais nous n'avons pas su le faire pour les systèmes de diagnostic de la déperkylose, de la malaria, malaria, et du paludisme, etc. Tu as dit dans un interview que, qui avait été publiée chez Medico on ne vous j'entends pas et peut-être que nous nous devons nous faire entendre un peu plus et de ne pas nous recroqueviller sur notre peur de la Covid 19 et essayer à ce moment-là aussi d'être peut-être plus actif au niveau aussi vraiment d'une activité véritable d'un activisme véritable quant aux entreprises pharmaceutiques c'est peut-être aussi maintenant une bonne transmission jusqu'à d'autres Prochaine participante, Myriam Sagmas, qui est juriste et qui, depuis de nombreux bonjour Myriam, qui depuis plusieurs années travaille au Centre Européen pour les Droits Humains et Constitutionnels, le CCHR. Nous la connaissons depuis de nombreuses années. Nous essayons de faire en sorte. Quand dans l'Allemagne, un certain nombre d'entreprises soient euh, poursuivies lorsqu'ils exploitent, par exemple, des travailleurs dans les entreprises textiles, par exemple au Pakistan, qui en partie du payer de leur vie euh, pour les conditions de travail dramatiques. Et et qui sont l'incarnation du capitalisme absolu. Et maintenant, la question dont nous avons parlé, nous avions déjà eu différentes euh, discussions à l'échelle mondiale. Est-ce que l'on peut véritablement avoir une influence sur les entreprises textiles? Est-ce que l'on peut lutter contre cette exploitation totale par un certain nombre d'accords juridiques très contraignants? Ou est-ce qu'on peut au moins endiguer un tout petit peu, freiner? Est-ce que c'est peut-être une politique des petits pas pour essayer de sortir de cette euh, hégémonie du capitalisme? Merci. Merci de m'avoir invitée, merci pour euh, cette euh, excellente conférence que je poursuis des, et que je suis déjà depuis plusieurs jours. Oui, euh, tout d'abord, j'aimerais bien euh, expliquer pourquoi il faut en parler, pourquoi il faut réfléchir à ces questions de droit. Et comprendre le droit comme l'un des forums ou l'une des plateformes sur lesquelles il faut se battre. Quand on regarde, et la conférence l'a démontré de manière très claire sous tous ses aspects, comment fonctionne l'injustice de notre système économique mondial. Quand on pose la question de savoir comment ce système est organisé, on constate qu'il est organisé sur la base du droit, finalement. Ce n'est pas simplement le droit qui organise l'économie, le pouvoir, l'exploitation, mais le droit, il génère un nouveau pouvoir, un pouvoir pour les grands groupes, les multinationales, les élites qui ont d'autant plus de pouvoir et d'autant plus de possibilités pour maximiser leurs profits. Le droit ouvre l'accès aux ressources, ce qui veut dire que, par exemple, d'une manière post-colonialisée on négocie des accords de libre-échange ou on négocie les droits de propriété intellectuelle, comme disait Marc, ce qui permet aux entreprises d'avoir un accès aux ressources dans la région de l'Amazonie. Les populations indigènes, on les prive de leur connaissance sur les remèdes traditionnels parce que ce savoir intéresse les multinationales. Qui souhaite ensuite le protéger par les droits de propriété intellectuelle. En même temps, le droit garantit l'extraction de ressources et garantit ainsi les profits. Ça fonctionne au niveau international euh, grâce aux accords sur la protection des investissements, sur la base des accords de libre-échange qui donnent accès à une ressource, à une mine, pour exploiter quelque chose et en même temps, en tant que multinationale, euh, sur la base du droit. Je peux exporter cette matière première et en tirer les profits sans qu'il y ait une responsabilité quelconque pour moi pour les conséquences écologiques ou sociales. Ça, c'est le troisième point. Ça exclut les droits des autres. Et au niveau international, dans le droit économique international. C est, c est, c est ça passe par le terme de propriété, propriété protégée contre une ingérence de la société ou des droits de l'homme qu'on ferait valoir. Et à un niveau beaucoup plus détaillé, ça passe par le droit des sociétés. Les groupes, les grands groupes organisent des structures de société très très complexes pour agir au niveau mondial. Et l'entité de l'entreprise présente sur le terrain n'assume aucune responsabilité pour ce qui se passe sur le terrain. Ce qui veut dire que les profits de Nestlé en Colombie, le siège étant en Suisse, ces, ces, ces profits arrive en Suisse. L'entité colombienne est juridiquement complètement indépendante euh, et le siège en Suisse n'assume aucune responsabilité de ce qui se passe dans la filiale colombienne. Et ça continue encore quand on pense aux chaînes d'approvisionnement internationales. Les structures d'entreprise sont reliées seulement par des contrats d'achat. Chaque contrat d'achat se base sur le principe que ce sont des... Entités à droits égaux qui euh, font du commerce l'une avec l'autre, euh, euh, la marchandise contre l'argent. Et là, on, on s'acquitte complètement de toute responsabilité des conditions de travail euh, dans les différents processus euh, d'exploitation ou de production. Et le, on s'acquitte aussi du respect de normes environnementales, écologiques. Ça, c'est. Ce qui se passe au niveau juridique. Mais il, f... il y a aussi d'autres droits. Hein? Il y a le droit social, il y a les droits de l'homme sociaux, les droits collectifs qu'il faut défendre contre ces droits des puissants. Et dire qu'il y a un autre langage du droit qui permet aux gens de revendiquer quelque chose. Et là, le défi, c'est non seulement de, de, de défendre dans les mécanismes existants les droits contre le pouvoir des entreprises, des grands groupes ou des multinationales, mais euh, face à la crise climatique, face à la pandémie, il y a aussi les droits de l'homme, le rapport de l'homme à la nature qu'il faut repenser. Donc dans ce mouvement pour les droits de l'homme, il faut une approche plus holistique. Il faut plus réfléchir à la question de savoir définir les droits de l'homme comme des droits de l'homme par rapport à la nature. Et ce sont notamment les intervenants et intervenantes de l'Amérique latine qui l'ont très très bien exprimé. Et nous pouvons apprendre encore beaucoup de choses là-dessus en Europe, sur cette approche plus holistique des droits de l'homme. Bien sûr que les droits de l'homme collectifs sont reconnus depuis longtemps. Néanmoins, nous les faisons valoir trop rarement encore pour les défendre contre cette interprétation trop restreinte de la propriété, voire de la propriété intellectuelle. En même temps, il faudra réfléchir concrètement à la question toujours juridique de savoir ce que veut dire responsabilité juridique. Qu'est-ce que c'est cette responsabilité juridique étant donné les défis mondiaux Responsabilité juridique pour les conséquences d'un climat qui change Responsabilité juridique par rapport à la responsabilité historique d'avoir été à l'origine de la crise climatique, par exemple Qu'est-ce que cela veut dire euh, de, provo quelque chose, de provoquer quelque chose qu'on laissera aux générations euh, à venir Cette responsabilité au sens juridique, du, le, le, ce principe de, de, de causalité. En tant que juriste, mais aussi en, dans l'échange avec les militants, euh, il faut aborder ces problèmes pour opposer quelque chose au concept juridique toujours des grandes puissances ou des entreprises puissantes. Opposer quelque chose à cette interprétation juridique de l'ordre économique mondial existant. Les initiatives que Thomas a mentionnées, le Human Biomed Treaty qui a pour but de demander au siège des grandes multinationales de rendre des comptes, d'assumer des responsabilités pour l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Il y a différentes initiatives à ce niveau-là. Il y en a eu une en Suisse qui a été mentionnée. Qui n'a pas vraiment donné le résultat qu'on aurait espéré. Des initiatives similaires existent en France. En Allemagne, on discute actuellement d'une éventuelle loi sur les chaînes d'approvisionnement. Et le but est le même partout imposer une responsabilité, exiger une responsabilité des entreprises européennes pour mettre fin à cette externalisation éternelle des responsabilités. En plus, outre ces, ces, ces plateformes très réelles de, sur lesquelles nous menons le combat juridique, il y a autre chose, ce que nous essayons de faire auprès de l'ECCR euh, avec d'autres partenaires, nous essayons de nous engager dans les litiges juridiques existants en revendiquant une amélioration du droit, en nous basant sur toutes les pistes possibles. Euh, Contre l'hégémonie, pour combattre l'hégémonie des puissants dans ce monde, le droit existant ici prête, on peut l'utiliser pour atteindre quelque chose dès aujourd'hui et sur cette base que nous avons actuellement déjà, pour démontrer que euh, on peut obtenir quelque chose, euh, comme la plainte des euh, quatre ouvrières du textile qui ont porté plainte contre euh, le, la chaîne de distribution Kik. Euh, qui, qui ont dit c'est le donneur d'ordre, euh, le siège en Europe qui nous doit quelque chose, qui nous doit une réparation pour le fait qu'il y a eu un accident où 250 personnes ont euh, trouvé la mort. Ou une plainte de, de paysannes, de paysans euh, en Inde contre Saint-Gentin en Suisse, qui ont dit on va se baser sur le droit de la consommation suisse pour dire que nous, en tant que paysannes, nous avons dû travailler avec ce pesticide. Nous avons euh, dû souffrir de conséquences sanitaires graves en raison de l'utilisation de ce pesticide. Nous demandons des indemnisations à Saginta. Ou même chose pour des communautés indigènes au Mexique qui se sont révoltées contre un grand groupe énergétique en France en disant, voilà, euh, euh, on ne nous a pas privés de notre terre, mais le processus que vous êtes en train de mener ou de préparer et qui euh, viole massivement nos droits par rapport à notre terre, et, euh, nous voulons faire quelque chose euh, pour anticiper l'accaparement de nos terres, pour être préparés pour la question de savoir ce que deviendra notre terre, notre sol un jour. Donc nous recherchons... La confrontation concrète et directe, euh, en, en disant, en utilisant l'argument qui est de dire non, vous, les multinationales, les grands groupes, vous utilisez, vous interprétez le droit d'une manière qui dès aujourd'hui n'est pas légale. Et rien que ce, ce, ce fait que ça puisse aller à, à Dortmund, que des paysans, paysannes de l'Inde se rendent en Suisse pour défendre leur cause ou des indigènes qui, de l'Amérique du Sud devant un tribunal en France, ça, dé, ça démontre qu'on peut avoir une influence. Et ce n'est qu'un petit extrait de ce qui serait possible, de, de, ce, de ce monde différent, de cette économie différente qui, qui est possible. Peut-être un mot sur... Euh, cette, cette question qui est de savoir est-ce que le droit c'est vraiment la solution ou est-ce que c'est peut-être un peu trop lourd, trop compliqué. Re, revenons à la pandémie. Lorsque la pandémie a entraîné toutes les fermetures, le, tout ce confinement en Europe, en mars, avril 2020, Et que pendant des semaines et des mois, la consommation chez nous en Europe, elle était quasiment interrompue. Euh, il y a eu une vague de chômage et de, 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 de faillites euh, dans le monde entier parce que les grands groupes du textile en Europe ont annulé leurs commandes en l'espace de quelques jours, ont refusé d'acheter, de, de payer surtout la marchandise commandée et en l'espace de quelques semaines, les usines au Bangladesh ont déposé le bilan. C'est la conséquence de cet ordre du monde et ça démontre le, le pouvoir détenu par ces grands groupes européens. Si ces entreprises européennes avaient eu l'obligation, ou si au moins il s'était agi d'un droit opposable, donc a, si elles avaient été obligées de respecter le droit à ces services sociaux, et que ce, ce droit avait été réalisé au Bangladesh euh, depuis cinq ans déjà, depuis dix ans peut-être même, euh, depuis toutes ces années, 5 ans, 10 ans, des entreprises comme KIC, CH, HM, auraient dû contribuer à un système de sécurité sociale au Bangladesh efficace et performant et de santé publique. À ce moment-là, ces ouvrières ne se seraient pas retrouvées dans une situation aussi vulnérable. Je ne dis, ça pas, je ne dis pas ça pour dire que les entreprises ne s'occupent pas du tout de la sécurité sociale. Je dis ça pour mettre l'accent sur le potentiel qu'il existe, euh, qui réside dans cette obligation concrète. Ça ne veut pas dire que H&M, C&H et n'est n'aient pas besoin de modifier leurs pratiques. Euh, si, si, elles doivent le faire. Elles doivent modifier leur politique en matière de prix, leur politique d'achat. Euh, C'est leur concept de fast fashion. Ça ne peut plus fonctionner. Euh, si on veut imposer à ces entreprises cette obligation de respecter les droits de l'homme. Donc tous ces mécanismes juridiques ne peuvent pas encore être la seule et unique solution, mais ça fait partie de la solution pour laquelle nous devons nous engager. La loi sur les chaînes d'approvisionnement qui n'existe pas simplement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, enfin, c'est discuté dans différents pays. Euh, nous indique déjà qu'il y a un certain malaise dans les sociétés européennes euh, par rapport aux conditions de travail de ces ouvrières du textile dans différentes régions du monde qui sont vraiment euh, exploitées de manière cruelle. Une, une, une certaine conscience, un certain mouvement, un, un public critique euh, dans le monde occidental. Mais est-ce que tu penses, sur la base de ce que tu viens de décrire, qu'il y a un potentiel pour le réaliser, pour le concrétiser, ou est-ce que finalement ça, ça, ça se révélera trop faible par rapport aux structures en place Il est trop tôt de le dire encore, à mon avis. C'est. Euh... Avant-hier seulement, que le projet de loi a été présenté, le ministère a présenté ce projet de loi sur les chaînes d'approvisionnement. Et le lobby euh, économique fait son travail aussi euh, et fait de son mieux pour exclure une responsabilité civile euh, de leur part. Le, la loi française est déjà entrée en vigueur d'ailleurs, et depuis cette année, non, depuis 2020, il y a la possibilité de porter plainte sur la base de cette loi. Et, et oui, le, le, quand on parle du droit, on parle toujours aussi de combats hégémoniaux. Les entreprises vont toujours essayer d'éviter au maximum les conséquences d'une telle loi, enfin, éviter cette responsabilité sociale. Mais ces combats, nous devons les mener maintenant. Aussi sur l'interprétation des lois. Les entreprises peuvent avoir leur interprétation des lois et nous pouvons avoir notre interprétation progressiste. Mais c'est un nouveau combat, un autre combat. La plainte du paysan du Pérou contre RWE, quelqu'un en parle dans le chat. Oui, on ne sait pas si ça aboutira. Mais. C'est l'une des pistes à explorer, mais il est trop tôt de se prononcer là-dessus dès aujourd'hui. Oui, euh, euh, certains le, le disent, tu viens de l'évoquer aussi, euh, le, la voie du droit est trop lourde, trop longue. Euh, dans le procès euh, à Coblance euh, actuellement euh, par rapport à la Syrie, démontre que ces sujets mondiaux vont, vont arriver dans une perspective ou moins mises dans une perspective différente dans les archives de la vie de, 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 du monde euh, si euh, on attire l'attention du grand public là-dessus. merci, miriam, pour euh, ta contribution. Tu auras certainement l'occasion tout à l'heure encore de reprendre la parole. Voilà, l'un des grands sujets de notre conférence, c'était le besoin de décolonialisation de notre hémisphère nord avec son histoire de 500 ans de colonialisme comme disait Sabine Hak, toute notre imagination du monde nous devons la remettre en, en œuvre, euh, remettre en question pardon notre conception du monde pour pouvoir le reconstruire. C'est la raison pour laquelle nous accueillons maintenant Vanessa Eileen Thompson, euh, sociologue et actuellement collaboratrice. Euh, scientifique de l'Université européenne Viadrina à Francfort sur l'ODER dans le domaine de l'anthropologie sociale et comparative. Elle se concentre dans sa recherche sur le racisme et la migration, les Black Studies et la recherche sur l'égalité et l'inégalité intersectionnelle. Dans son exposé, elle va se pencher sur la signification de l'abolitionnisme. Je, je vous avoue que j'ai je, je, dû me préparer à cela aussi parce que euh, pendant la préparation de cette conférence, je ne m'étais pas penchée dessus. Elle se concentrera sur le mouvement Black Lives Matter et le lien avec tout ce qui se passe dans le monde. Merci de me donner l'occasion de parler ici. Merci d'avoir... Euh, Organiser cette conférence, de l'avoir coordonnée. Merci à tous ceux qui s'occupent de la technique, surtout, et merci aux interprètes qui contribuent à l'accessibilité de cette conférence pour tout un chacun. Dans les différentes langues les différentes contributions depuis vendredi soir et les discussions, à mon avis, nous ont démontré les problèmes fondamentaux de notre monde dans ce capitalisme racialisé, sexué, néolibéral. ça a déjà été évoqué, critiqué, critiqué, pardon, et des alternatives ont été citées. je voudrais maintenant me pencher sur les contributions qui pourront être apportées par l'abolitionnisme à la reconstruction du monde et je voudrais me concentrer sur les combats pour les vies noires dans le contexte des mouvements Black Lives Matter depuis l'année dernière. Lors de la table ronde sur Haïti avant-hier, on l'a déjà dit, que ces combats pour les vies euh, noires euh, sont profondément enracinés dans l'histoire. Euh, ça a commencé au moment de la euh, révolution haïtienne, la première euh, révolution réussie d'hommes euh, noirs asservis. Nous avons vu des mises à jour, si vous voulez, de ces révolutions ces dernières années avec euh, BLM, Black Lives Matter, mais aussi Black Liberation Movement. Ça ne se limite pas à l'année dernière, ça n'a pas commencé qu'en 2020. Mais je crois qu'on peut dire que dans la situation de la pandémie, c'était justement ces protestations, ces mouvements qui ont peut-être un peu réveillé d'autres mouvements, d'autres révolutions qui avaient peut-être perdu un peu d'influence politique. Ces protestations et ces manifestations constituent les protestations, les mobilisations les plus nombreuses depuis des années aux États-Unis, dans les pays de l'Europe, de nombreux pays d'Afrique, Nigeria, en SARS ou aussi des manifestations au Kenya et en Amérique du Sud. Ces protestations, ces mouvements se sont érigés contre la violence policière, notamment vis-à-vis -vis des Noirs, des personnes à marginalisation multiple, mais se battent aussi... Contre d'autres formes de violence étatique exercées dans les prisons, dans les camps, par les régimes de frontières, par les régimes militaires. Mais ces mouvements transnationaux, comme Black Lives Matter, s'engagent aussi contre le racisme environnemental, les politiques d'austérité, l'exploitation, la violence domestique et sexuelle, l'abléisme, le sans-abrisme, pour l'extension du domaine social et de la santé, ainsi que pour la justice. Écologique, sociale et intersectionnelle. À mon avis, ces combats euh, ne sont pas simplement euh, utiles pour la reconstruction du monde, mais fondamentaux. Le premier point concerne euh, justement cette imbrication des différents combats. Dans ces combats pour euh, les vies noires, euh, on, on peut identifier ces imbrications de la euh, violence étatique. Euh, la, la violence ou le pouvoir de l'institution de la politique, de la police ou cette euh, imbrication des camps et des prisons, comme le disaient Angela Davis et Gina Dent. The prison is a border and the border is a prison. Et la, la, la construction, la définition de groupes considérés comme superflus. Mais on y voit aussi une scandalisation, une politisa, politisation. Euh, par rapport aux au, au camps, aux frontières extérieures de l'Europe, euh, qui produisent des morts prématurées, quelque chose que la campagne euh, vise actuellement en essayant d'attirer l'attention là-dessus, mais aussi l'imbrication du nationalisme et de l'impérialisme par l'externalisation des frontières qui réactualise les relations impériales. Une autre imbrication ou interdépendance concerne cette interaction entre le pouvoir étatique et la violence interpersonnelle. Une critique de la violence doit viser les deux. Donc ici, il n'y a pas simplement une perspective intersectionnelle mais surtout une intersectionnalité des combats. Les combats sont imbriqués, sont interdépendants. Le deuxième point concerne la perspective qui permet les théories théorétisation et mouvements euh, noirs radicaux, accompagnés d'une critique du cosmopolitisme libéral et des concepts de sécurité, de citizenship, euh, des concepts et des normes qui sont intimement liées à l'exploitation violente et la déshumanisation d'une bonne partie de la majorité. Franz Fanon a dit dès 1961 qu'il faut bien quitter l'Europe, sortir de l'Europe pour sauver le monde. Et c'est justement le titre de cette table ronde, la responsabilité de l'Europe. Je cite Fanon, quitter cette Europe où ils ne font que parler de l'homme, mais ils assassinent l'homme, l'humain. À tous les coins de rue et à tous les coins du monde. Fin de la citation. Dans Les damnés de la terre, Fanon élabore les logiques différentielles et destructrices du capitalisme colonial et il démontre que les damnés de cette terre, en raison de la surexploitation, de la criminalisation, de la déshumanisation, sont les victimes. Et ce n'est pas seulement le, le colonialisme et le capitalisme ne produisent pas simplement les damnés, mais ils damnent aussi la terre. Quitter l'Europe, ça veut dire aussi rompre radicalement avec les concepts libéraux, politiques, sociaux, les économies de l'Europe et ouvrir de nouveaux horizons. Achille Mbembe a déjà dit aujourd'hui, on qu'on ne pourra pas reconstruire le monde uniquement sur la base des valeurs des lumières. Et je, je, je comprends aussi Moussa Changari euh, de cette manière-là, quand il dit qu'il faudra tout changer et complètement. Les perspectives abolitionnistes transnationales qui sont visibles aussi dans ces combats pour les vies... Euh, Noir, nous rappelle que les problèmes dans ce monde capitaliste, sexué, racialisé, avec sa surexploitation, son extractivisme, ses guerres, l'expansion des régimes de sécurité, régimes de frontières, des camps, des prisons, la, la pauvreté et la violence intersectionnelle, la partage des sanitaires, la production de morts prématurées, le recours à la violence pour des situations difficiles politiques ou sociétales, euh, ne, ne trouvera pas la solution euh, euh, dans l'ordre euh, existant, euh, dans des ordres de sécurité, de propriété, de subjectivité. Parce que ceci et caractérisé par des dimensions nécropolitiques et binaires. Les, les combats pour la vie noire euh, ne s'engagent pas pour des réformes de cette violence euh, étatique, mais s'engagent pour des réformes du complexe euh, global. C'est ça l'abolitionnisme. Abolitionnisme, ça ne veut pas dire simplement mettre euh, fin euh, à quelque chose, mais ça veut dire créer quelque chose de nouveau, de nouvelles relations, de nouvelles de nouveaux modes de vie, de nouvelles institutions pour que la vie puisse s'épanouir, comme dit Ruth Wilson-Gilmore. On a beaucoup parlé de la révolution pour la vie hier. L'abolitionnisme, historiquement parlant, fait partie, c'est une partie essentielle de cette révolution. L'abolitionnisme, historiquement parlant, est né, bien sûr, du combat pour la suppression des économies des plantations, de l'esclavage, des combats pour mettre fin au colonialisme, au néocolonialisme. Et ce sont surtout les contributions collective, des femmes souvent, ou des groupes marginalisés qui expriment vraiment cette volonté de l'abolitionnisme en tant que révolution pour la vie. Et puis mon troisième point, la reconstruction. Intégrer dans des pratiques et des horizons qui en partie existent déjà, les bases existent déjà. Il ne s'agit pas uniquement de d'inventer quelque chose qui pour l'instant est encore en, de, en dehors de, de, de notre monde. Mais il s'agit de, 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 de choses qui partiellement déjà existent dans les Maroon Communities, dans les Caraïbes, en Amérique, dans ces expressions souvent volatiles, éphémères, d'infrastructures des populations criminalisées, exploitées, illégalisées dans ces pratiques de solidarité réciproque, relationnelle et des politiques de prise en charge pour des collectifs marginalisés. Réparation, ça ne veut pas simplement dire euh, répondre par des réponses monétaires à, à toutes ces questions ou euh, réfléchir à une question de, de, de la simple survie. Abolition. C'est une pratique d'interdépendance, de, 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 une mise en place d'une relation réciproque dans laquelle personne n'est laissé à la traîne. Donc, ces combats pour la vie humaine sont toujours des combats solidaires. Nous le voyons avec Black Lives Matter. Ces combats sont toujours solidaires avec les combats, les mouvements menés par d'autres groupes marginalisés, pas uniquement les, les groupes noirs. La blackness est une politique de solidarité dans une perspective abolitionniste, euh, comme dans le contexte de, 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 de Haïti. Euh, en, en Haïti, euh, on considérait comme noirs même tous ceux qui s'engageaient activement pour, pour supprimer l'esclavage. Ou cette blackness. Blackness du XXe siècle avec les mobilisations antiracistes et l'actuel mouvement BLM. Ces, ces, ces imbrications internationales visant de mettre un terme à la violence systémique des États et à cette violence mondiale, ce sont vraiment des base fondamentale pour une solidarisation à partir du bas et pour la mise en œuvre d'une démocratie abolitionniste et solidaire. Merci Vanessa. Yeah. Merci beaucoup, Vanessa. C'est très important que tu aies introduit ce concept. Peut-être que tu me permets une petite question. Pourquoi est-ce que tu reviens à cette notion de l'abolitionnisme et comment est-ce qu'on peut jeter le pont entre l'abolitionnisme et ce que macken vient de dire Après la pandémie, nous vivons la menace d'un renforcement de la vie violence institutionnelle, pas seulement chez nous, mais aussi dans d'autres pays euh, qui se sentent menacés par euh, un renforcement de la violence institutionnelle. Est-ce que nous pouvons euh, évaluer ce euh, cette menace à partir de la perspective de l'abolitionnisme. Oui, eh bien je pense que d'une part nous devons voir l'évolution historique de l'abolitionnisme, qui était toujours lié avec à une reconstruction radicale de société démocratique. Il ne s'agissait pas Jamais euh, simplement de l'abolition euh, de l'esclavage, par exemple, mais il s'agissait toujours en même temps de la reconstruction d'une autre situation. Mais nous vous voyons dans la continuité de l'abolitionnisme et de l'esclavage que malgré l'abolition formelle de l'esclavage, malgré l'abolition formelle des rapports de propriété coloniale, les grandes lignes du cadre des conditions euh, de la société ne se sont pas ch euh, changées, du moins pas euh, de manière euh, fondamentale. On voit par exemple qu'il y a aux États-Unis où il y a beaucoup plus de personnes internées que ceux qui dans le passé avaient travaillé dans les plantages. Et de nombreuses pratiques du colonialisme ont été... Euh, retraduit dans euh, l'actualité moderne. Et le nouveau abolitionnisme, celui du XXe siècle, se concentre sur les institutions violentes de l'État. Et dans ce que nous parlons de l'abolition, il s'agit de la réduction des régimes euh, pénaux. Et comme aussi par, au niveau de la police. Et je crois que cette perspective est importante parce qu'elle aborde la continuité historique de. La punition de l'exploitation, et cela fonctionne toujours dans le cadre du capitalisme. Et en même temps, il faut se concentrer sur une transformation radicale des structures, des institutions. Il faut créer des institutions qui soutiennent la vie au lieu de détruire la vie ou au lieu d'exercer de, une violence excessive. Et c'est justement sur la toile de fond euh, de la pandémie, <coughs> il est très important de dire, euh, dans le sens de euh, McCain, que nous avons besoin d'un plan de reconstruction. Comment pouvons-nous nous engager collectivement pour. Euh, minimiser le risque de l'expansion des régimes punitifs euh, et euh, de euh, violence. Par exemple, l'expansion les, les, des. Euh, Code PNU, etc., que nous devons euh, refouler tout cela parce que sinon nous ne pouvons pas avoir une protection et euh, une euh, justice sociale. Merci beaucoup Vanessa. C'était passionnant et je crois que cela nous fait avancer aussi dans la question de savoir quelle est la responsabilité de l'Europe. Pour conclure, je demande à euh, Rilomao, R Milorao, et je reviens à ce que euh, Susan avait dit. Euh, rien n'est euh, clair, euh, même si c'est une euh, chose. Et elle avait dit, nous avons besoin de formes esthétiques pour euh, relier les euh, choses euh, non compatibles. Et euh, elle était très... Euh, enthousiaste de ton film, le Nouvel Évangile, parce que là, tu places des choses dans un contexte qui euh, n'est pas du tout le contexte qu'on attend. Il y avait par exemple cette, ce tableau euh, biblique que nous connaissons et euh, sur la photo il y avait donc euh, 13 euh, migrants illégaux. Je présente brièvement euh, Milorao qui est très connu mais il est directeur artistique euh, du théâtre NT euh, à euh, Gand en Belgique et j'espère euh, que tu puisses nous dire comment l'esthétique euh, peut euh, créer un lien commun pour lequel euh, il vaut la peine de poursuivre dans la lutte, même euh, euh, si les, les possibilités sont réduites. Merci beaucoup. Je vais tout d'abord euh, m'excuser si. Euh, pour euh, la connexion technologique, je suis ici euh, dans un appartement du théâtre de Ghent et euh, si ça ne fonctionne pas, si vous ne m'entendez pas bien, eh bien envoyez-moi un petit message et j'éteins ma caméra. Merci beaucoup, Mark Wood, Miriam et Vanessa Ellen Thompson pour euh, euh, vos présentations. Pour commencer avec euh, le nouvel évangile et euh, le tableau que euh, vous venez d'évoquer, là, ce sont en effet des euh, hommes et des femmes, euh, des. Réfugiés, des illégaux qui sont euh, rassemblés autour d'une table. C'est le grand tableau du dernier dîner. Et ce que Vanessa a dit et ce que Myriam a également dit, c'est-à-dire la relation entre la loi et le droit. Comment peut-on. Libérer la solidarité des normes euh, fixées par le droit, c'est-à-dire euh, l'illégalisation de personnes qui reposent sur euh, la loi et euh, d'autre part euh, la question de savoir comment nous pouvons globaliser la solidarité. Vanessa a cité, euh, a cité la citation qu'il faut euh, quitter l'Europe, abandonner l'Europe pour pouvoir changer parce qu'en dehors des mythes, l'Europe n'est pas pensable ou une solidarité n'est pas euh, pensable. Nous avons fait un, un projet où Antigone a été représenté aux Amazones. On a essayé de lire Antigone avec les 100 terrains de Brésil et nous avons aussi la possibilité, selon la loi allemande, d'utiliser des terrains qui ne sont pas euh, achetés de manière légale. On peut les occuper et c'est ce que je peux faire également en. Euh, au Brésil ou en Italie, où nous avons occupé aussi, dans le cadre de ce projet du nouvel évangile, euh, le, des maisons. Je voudrais parler de. L'idée comment la solidarité est euh, faisable, nous avons un mythe de différence qui nuit à la solidarité. Est souvent, euh, la solidarisation est euh, considéré également comme quelque chose qui uniformise, qui annule les différences. Mais nous vivons dans un contexte d'exploitation et si nous voulons. Euh, avoir des relations humaines en dehors de l'exploitation, c'est très difficile à imaginer, notamment par exemple dans l'art, dans l'activité de l'art. Dans l'activité de l'art, on a deux possibilités de se solidariser. Se solidariser d'une part au court terme, sous forme de projet, en disant, eh bien, nous le faisons. Dans le nouvel évangile, nous avons dit, eh bien, nous essayons de faire un film du Nouvel Évangile, là où Pasolini et Gibson avaient fait leur tournée, leur film dans les années 60, avec les acteurs de l'époque, mais aussi avec les personnes qui... C'est presque ironique. Qui vivent autour de ces lieux, des milliers de réfugiés qui sont euh, exploités sur les plantations de tomates euh, en Italie, tout autour euh, de la ville culturelle. Et ils ont. Fait un chaos, un ensemble. Nous avons créé un ensemble théâtral. Jésus est représenté par un Camerounais, militant pour les droits des travailleurs agricoles. Et on a composé donc cette dernière scène avec beaucoup de, de personnes défavorisées. Les structures de pouvoir qui existent en euh, Italie du Sud rendent la solidarité. Impossible en théorie. Tous les euh, tous les différents groupes souffrent du même système de la monoculture, de l'exploitation et, et les euh, normalement les euh, travailleurs roumains ne paieraient jamais avec des réfugiés africains ou avec euh, les euh, agriculteurs euh, italiens. Donc il y a des, un cloisonnement des différents euh, groupes. Il, il y avait des comme Camerounais, des Nigériens et bien d'autres, avec des organisations roumaines, avec des ONG, avec des syndicats italiens, nous avons essayé de mettre en place une solidarité dans le cours de mise en œuvre de ce projet. Nous avons dit, eh bien, nous allons essayer de mettre en œuvre cette. Idée, cette notion de justice transcendale de la Bible. Et il y a une phrase qui est devenue très importante lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem. Il a dit :« Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis arrivé pour compléter, pour achever cette loi. » C'est-à-dire les lois dont nous avons besoin existent. En italien, il n'existe pas la notion de. Euh, il immigrés illégales, euh, ça n'existe pas. Il existe des immigrés euh, qui euh, sont, ont déjà amorcé de, euh, euh, leur demande d'asile et ceux qui ne l'ont pas, mais il est impossible d'exploiter 50 000 personnes euh, qui n'ont qui sont dans euh, un camp d'esclaves euh, parce que ces personnes n'ont pas de titre euh, de séjour et s'ils n'ont pas de titre de séjour, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de permis de travail. Et nous, on, on a dit, nous faisons un projet d'art où nous illustrons la fiction, que tout cela n'existe pas et que toutes ces personnes, des différents groupes coopèrent et essayent d'imposer leurs droits. Et cela, nous l'avons fait dans des actions d'occupation de maisons. Nous, nous voulons... Vivre ici, séjourner ici pour avoir la possibilité de travailler, etc. Donc, euh, c'était euh, la mise en commun et la solidarisation de toutes les personnes diverses qui ont participé à ce projet. Et. Lors, il y a un autre projet que nous avons euh, mené en, en coopération avec d'autres organisations, UNHCR, mais aussi avec Médicaux, où nous avons dit nous allons surmonter les frontières nationales et les frontières du légal. Et euh, nous imaginons que la loi sur les chaînes de livraison, cette initiative de responsabilisation des entreprises qui vient d'être refusé euh, par euh, le gouvernement suisse. Donc faisons semblant comme si toutes ces lois tout, existaient déjà et à ce moment-là et dans cette mesure, euh, euh, dans cette forme artistique, on peut Voit que nous devons négocier les différents cas. Il n'y a pas de situation claire et la complexité ne se dissout pas. Et c'est peut-être ce qui contribue à la déception des personnes. Lorsqu'on aperçoit toutes les policiers, toutes les possibilités lorsqu'on commence à croire que tout est possible, qu'il n'y a plus de limites et après coup on s'aperçoit que ce n'était qu'un mirage. Dans le nouvel évangile, nous avons coopéré avec les ONG, des militants des différents pays, avec les groupes qui représentent les salariés roumains et les syndicats italiens. On a vu que les voies de distribution du film devaient également être caractérisées par la solidarité. Donc, pour illustrer que euh, cette mise en réseau de la dignité est dans ce projet. Euh, qui peuvent exister dans le cadre d'un tel projet qui dure par exemple deux mois. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le travail de théâtre peut réaliser les utopies. Mais comment réussissons-nous à faire de cette réalisation utopique une réalisation à long terme qui put aux spectateurs une certaine responsabilité, comme celle du consommateur et du producteur? Parallèlement à ce film que nous avons tourné, les différentes ONG ont... Donc, euh, amener les tomates que les euh, acteurs du film euh, récoltent dans leur vie réelle, ont amené dans 15 supermarchés différents en Suisse, en Allemagne, un peu partout, et euh, donc là, le consommateur euh, pourrait penser que c'est amoral et de fait, presque... Pour presque tous les produits, ou du moins produits alimentaires de base, il existe une alternative à, euh, aux produits que nous achetons habituellement. Il y a une semaine, j'ai négocié avec Deleuze, la plus grande chaîne supermarché euh, en Belgique, et nous avons dit que nous avons euh, tous ces. Ces petites, euh, tous ces petits magasins écologiques euh, qui accueillent euh, euh, et, et vendent nos euh, produits. Alors pourquoi vous ne les vendez pas Les produits ne sont pas plus chers que d'autres. Et euh, le représentant de... Euh, de l'aise euh, m'a dit Eh bien, c'est euh, pas possible, on ne peut pas les vendre, même dans un coin, en les étiquetant spécialement, parce que à ce moment-là, on dirait implicitement que tous les toutes les autres tomates euh, n'ont pas suivi des chaînes de livraison euh, équitables, ne proviennent pas du commerce écologique et équitable. Et là, se reflète la grande peur des ceux qui détiennent le pouvoir et nous avons pu démontrer que nous essayons dans chaque cas dans chaque précédent de re, rapprocher la loi et, euh, le droit, donc mettre le doigt sur euh, la dialectique de ce processus. Donc, euh, la personne a réalisé certaines choses euh, et on essaye de créer un autre temps, une autre, un autre type de responsabilité envers la nature. Hein peut-être pour changer au moins pour un petit instant l'approche et la réflexion des personnes. Comme si on dit qu'un producteur textile allemand est responsable pour une, le l'ébranlement d'une usine euh, ailleurs. Donc, euh, si on pouvait euh, créer ces liens et euh, faire de cela... Une normalité. C'est ce que se propose de faire un projet d'art. Et c'est toujours un, un ensemble, c'est toujours quelque chose réalisé par euh, un collectif de 15 ou de 100 personnes. Et c'est ce collectif de personnes qui esquisse ce que pourrait devenir un droit social. C'est-à-dire, l'art ainsi crée des précédents. Et des antécédents, et ainsi peut montrer que certaines choses sont possibles. Là, par exemple, des ministres en, en ont parlé et ont commencé à réfléchir. Et c quelle forme de droit pourrait être imaginable qui rend ce genre de possible? Donc, comme a dit Myriam, créer des espaces partiels, même si ces euh, essais ne sont pas couronnés de succès. Je reviens à la Bible, tout ce qu'on peut dire sur la culture occidentale, ce mythe du Nouveau Testament, ce qui est étonnant, c'est que ce mo livre montre. Deux choses qui existent également dans euh, beaucoup d'autres euh, livres. Ça, euh, d'une part, que la révolution. Échoue, échoue sur le manque de solidarité dans son petit groupe. c'est jésus qui échoue sur le manque de solidarité de son petit groupe de personnes qui l'entouraient. il échoue sur lui-même. mais en même temps, à partir de cet échec, on peut tirer une certaine force. donc, c'est une euh, relations euh, réciproques et c'était ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, bien que je sois athéeiste, mais je crois que ça vaut pour euh, tous ceux qui étaient impliqués dans ce projet. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, c'était fantastique. J'ai appris que l'on peut quitter l'Europe sans quitter l'Europe et que l'art... à la possibilité de créer des rencontres et, et cela également dans la périphérie, vu de notre perspective, et que cela peut être ramené dans notre centre. Je propose, étant donné que nous sommes déjà très, très en retard, d'accepter encore deux questions très courte du euh, grand public et euh, de clôturer ensuite cette conférence. Julia, est-ce qu'il y a des questions de la part des participants, des spectateurs? Oui, bonjour, il y a pas mal de questions euh, du euh, grand public et euh, nous avons déjà réfléchi euh, si. Euh, n'est pas possible de répondre après la conférence sur cette multitude de questions. On a dit que non, on ne peut pas. On a dit que nous devons Parler encore une fois de la question ce que cela signifie pour nous, que pouvons-nous faire, nous en tant que euh, théoriciennes, militantes, mais aussi que peuvent faire les personnes qui participent à cette euh, conférence, donc les citoyens normaux, entre guillemets, que, euh, que pouvons-nous tous faire Et même B. a été assez sceptique en, en ce qui concerne la possibilité de reconstruire le monde et, et on a également dit que le colonialisme en arabe signifie reconstruction. Alors, quelles possibilités voyez-vous pour la reconstruction même d'une perspective politique individuelle dans ce moment de la pandémie COVID-19 et puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, on vous demande de suggérer une réponse qui permette à Milo d'en faire un, un nouveau film. Bon, maintenant il nous faut tous les participants du podium et Milo, tu prends note. Mark. Ensuite, nous devons devenir tous très créatifs. Et puis nous allons... Marc, maintenant, je te donne la parole. Je vais être très bref. Que pouvons-nous faire? Je crois qu'un des éléments cruciaux, c'est que cette crise a donné naissance à vraiment un million de nouvelles initiatives à un niveau communautaire, que ce soit un nouveau système d'éducation, un nouveau système d'alimentation, un nouveau système pour essayer de lutter contre le racisme, l'exclusion. Ça a été tout à fait phénoménal. La manière dont les personnes ont été obligées de repenser les choses. Et je crois que ma suggestion. Ce serait aussi de voir comment l'on peut s'impliquer dans ces initiatives et voir ce que l'on peut faire pour qu'elles deviennent pérennes. Mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir si nous avons suffisamment de temps parce que nous avons véritablement une pendule et une qui se rapproche de l'heure finale et vraiment, nous voyons que cette crise est une crise profonde et à, au niveau des communautés, l'on essaie de faire un grand nombre de choses, mais il faut aussi aborder les superstructures et je pense que ce que j'ai appris de cette discussion, c'est que nous ne devons euh, certainement pas abandonner un certain nombre d'outils que nous avons dans notre boîte à outils. Nous devons les utiliser tous avec une bonne organisation sociale. Et si nous voulons véritablement pouvoir en bénéficier, les droits de l'homme et les droits humains peuvent être soit un concept libéral qui. Euh, enlève toute autonomie ou alors on peut avoir un concept qui permet d'évoluer de se développer et qui permet de déconstruire la vie, la vue que nous avons actuelle des droits de l'homme actuellement des droits de l'homme je pense que là vraiment nous pouvons faire beaucoup dans le domaine des droits de l'homme et je suis d'accord avec Milo je crois que nous avons besoin de trouver un nouveau langage il y a le risque que nous, dans cette conférence, nous parlions une langue qui est une langue qui qui est difficile à comprendre pour ceux qui sont sur vraiment le au front, qui sont en première ligne, qui essaient de lutter pour cette pour sortir de cette crise. Nous devons trouver des manières de parler par la poésie, l'art. Comment? On peut développer l'empathie et ensuite développer un pouvoir. Ça peut paraître très abstrait, mais sur la question de ce que nous pouvons faire en Europe, mais c'est ce que je pouvais faire en, en deux, trois minutes, là, sur ce qu'on peut faire en Europe. Myriam Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'arrive à dire, quelque chose de particulièrement intelligent pour un film, enfin. Mais je pense que je vais reprendre aussi ce qu'a dit Marc. Je pense que cette pandémie et Black Lives Matter, Fridays for Future, ont permis à beaucoup de gens de vraiment s'impliquer au niveau local, au niveau de vraiment d'avoir des réseaux de solidarité actifs au niveau local. Et je pense que cette situation de pandémie a certainement encore permis de regarder la solidarité à un tout, un tout autre angle que ce qu'on avait fait, que ce soit véritablement aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de potentiel. Et malgré tout, je pense que, comme l'a dit euh, Marc, on ne peut pas oublier notre boîte à outils tout à fait classique. Et l'initiative, par exemple, comme. Euh, il est comme la campagne pour les chaînes d'approvisionnement que nous avons vu au niveau européen. Nous avons différents processus, différentes choses qui ont été entamées. Et à mon avis, la majorité de la population en Allemagne, en Suisse ne dit veut, ne voulons pas véritablement profiter, bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement qui exploite comme ça. Nous voulons véritablement de meilleurs produits. C'est quelque chose que l'on retrouve parce que de manière Absolute, vraiment, on avait en fait une majorité pour, en Suisse qui, qui avait voté pour cette mesure. C'était juste une question aussi des codes euh, électoraux qui a fait qu'on n'avait pas les résultats que l'on avait espérés. Mais nous voyons que nous voulons aussi prendre, avoir une certaine influence sur nos partis. Ça peut paraître utopique, mais je pense que. Je crois que Thomas Abbott l'a dit très bien. Ce sont nous, en tant qu'Européens, nous sommes profondément impliqués dans ce monde plein de, de contradictions. Nous profitons de l'exploitation. Nous amenons notre planète à la limite de ce qu'elle peut faire. Et je crois que nous pouvons peut-être apprendre à supporter la colère que cela génère aussi et peut-être essayer de transformer ça en quelque chose de plus productif euh, au, au niveau personnel, au niveau politique et peut-être qu'il y a d'autres manières pour nous comment l'on pourrait développer des réseaux et je pense que c'est pour moi au niveau professionnel comment je pourrais le trouver mais peut-être que l'on a d'autres approches, d'autres possibilités de le faire. Que, que pour nos citoyens aussi, qui pourrait être satisfaisant pour eux. Merci, ça c'était une excellente proposition. Je ne suis pas sûre que j'aurai une proposition pour un film, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir quelles sont les formes de solidarité dans la pratique, pas seulement au niveau de tribunaux. Mais vraiment, le fait d'être là les uns pour les autres, peut-être vraiment toutes tout ces approches euh, avec euh, des associations Black Lives Matter ou des collectifs pour les mig, de, de migrants, par exemple, euh, qui, qui sont pratiqués par toute une euh, série de groupes. Et là, je crois que nous pouvons en apprendre beaucoup. Et là aussi, la question qui est de savoir, c'est vraiment... La... comment est-ce que l'on transmet cette idée avec, par exemple, l'approche artistique. Mais je pense qu'il est très important qu'un grand nombre de ces mouvements sont des... utilisent déjà différentes formes artistiques. Par exemple, les mouvements euh, de mémoire pour les personnes qui ont été victimes de cet attentat terroriste à Hanau en Allemagne sont vraiment là aussi toute une forme artistique qui se développe, un langage artistique qui se développe. Encore quelque chose sur l'aspect que l'on doit construire d'en bas vers le haut vraiment du... De, et là je pense qu'il est très important, comme cela a déjà été dit d'ailleurs... Nous avons déjà un grand nombre d'outils et beaucoup de personnes le font au quotidien, sont solidaires dans, dans le voisinage, mais même au-delà. Par exemple, lorsque l'on voit les luttes de migrantes dans le secteur européen. Le, la lutte de toute une série de ces groupements pour qu'ils ne soient pas exclus de la société et la façon aussi euh, de, de. Tout ceci a déjà une histoire très longue et je pense que dans cette histoire, nous devons vraiment ancrer toutes ces actions, tous ces, ces défis. Nous avons des nouveaux défis, mais il y a aussi beaucoup de connaissances sur la manière dont on peut prendre soin l'un de l'autre, faire attention les uns aux autres, accompagner les autres. Et là, je pense que l'on peut apprendre beaucoup, par exemple, aussi de la crise du, du sida à l'époque. Et aussi la lutte pour des, dans les régimes. Euh, qui c'était des régimes autoritaires aussi, d'un autre côté aussi, les, tous les mouvements antimilitaristes, par exemple. On re, devrait regarder ce qui a déjà existé et, et qu'est-ce que l'on peut encore euh, euh, développer. Mais il y a déjà toute une série de choses qui existent. Et je pense que ça, c'est important lorsqu'on se demande ce que les personnes peuvent faire aujourd'hui. Dans de nombreux contextes, il y a des structures d'aide pour les personnes migrantes, par exemple, pour aussi par les mouvements de protestation de Black Lives Matter. Nous avons la façon dont on peut créer plus de sécurité sans avoir une société ou une institution euh, violente comme la police. Et, et je crois que dans cette impuissance politique dont on a l'impression qui est véhiculée par la pandémie et essayer d'en sortir et rester bien sûr en lien les uns avec les autres. Encore une remarque en tant qu'animatrice. Que faisons-nous avec la peur La peur que l'on retrouve à cause de la COVID-19 est-ce que l'on va retrouver différents... Je, je trouve très intéressant que l'on on a aussi ces appels à la solidarité, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de solitude et que ces craintes en ce qui concerne la dimension de la tâche qui nous attend, parce que l'on craint que ce ne soit que le début, et aussi cette crainte face à l'incertitude du monde de manière générale. Est-ce que l'on peut essayer de gérer ça de manière artistique? Et pas seulement dans ce côté figé que l'on retrouve chez beaucoup. Je dois dire que après ce qu'a dit Vanessa, j'ai beaucoup de mal à prendre la parole parce qu'en fait, elle a tout dit. La peur vient de ce que l'on a. Euh, Peur parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à même de développer un avenir pour soi-même, parce que l'on n'arrive pas, on ne sait pas avec qui l'on pourrait essayer de se soulever, essayer d'aller encore au-delà, de, de progresser. Et ensuite, la, la possibilité d'être en présence, ça, c'est aussi l'art. La, la, Et on ne peut faire aussi beaucoup de choses par Zoom mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est ensemble et le, le passer du temps les uns avec les autres physiquement et ça c'est un véritable problème. Et tout d'un coup là, on constate que et c'est ce que nous nous avons constaté que l'on a beaucoup plus un échange mondial. On a des conférences Zoom où on a justement qui a été un enrichissement incroyable parce que ça élargit l'horizon et soit on disait que soit euh, par exemple pour un film soit c'est euh, un film pour le cinéma ou soit ça doit être vraiment être dans un théâtre c'est tout d'un coup on se rend compte que euh, bien on peut faire d'autres choses et qu'on peut avoir par exemple ce streaming et tous ces euh, droits euh, de propriété intellectuelle il faut que l'on essaie de, de peut-être aller plus loin que ce que l'on a fait et que euh, on je pense que là nous devons véritablement faire très attention en tant que producteurs et en tant que consommateurs que l'on ne revienne pas en arrière. Et parce que nous avons fait quelques progrès, nous ne devons pas maintenant essayer d'annuler ces progrès. Et ensuite un autre point. Comment est-ce qu'on l'on fait avancer aussi des projets de démocratie de base Comment est-ce que l'on peut essayer de rassembler tout cela pour que est -ce que peut faire, Comment est-ce que l'on peut faire en sorte que ces expériences que nous avons faites dans nous ici et que les d'autres cultures ont fait, il y a peut-être des gens, que l'on n'ait pas toujours cette, ce présent, cet absolutisme du présent qui devient vide de sens au bout d'un certain temps. Il y a différentes formes de vie où l'on est en rapport avec l'avenir et là, je pense que nous devons véritablement nous demander comment est-ce que l'on peut procéder, comment est-ce que l'on peut aller de l'avant. Merci. Merci à vous tous. Je pense que même moi... Euh, ça m'a même réveillée alors que ça fait quand même trois jours que je suis, suis cette conférence et ceux qui n'ont pas suivi vont pouvoir le faire sur YouTube. Je crois que ça valait vraiment la peine. Je fais la conclusion de cette conférence. Je voudrais remercier euh, les techniciens, les interprètes, tous mes collègues. Et tous ceux qui ont fait l'animation des différents panels, des différents, ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence, qui étaient bien plus nombreux que ceux que nous avons vus là à l'écran, je crois que pour nous tous, ça a été vraiment une expérience très intéressante. Et je crois que ça nous a inspirés à nouveau pour nos travaux et aussi pour essayer de trouver une nouvelle perspective. Et pour finir, je voudrais rappeler. Un euh, révolutionnaire noir, Fred Hampton, qui a été assassiné en tant qu'activiste des Black Panthers en 1969 et qui était que le FBI l'appelait le Messie. Et donc, ils l'ont assassiné. Et comme nous avons beaucoup parlé de révolution, je me souvenais d'une scène d'un film où on voit comment Fred, Ham, Fred Hampton a 21 ans avait donc un groupe de, de gens noirs, blancs, et qu'il s'est entraîné avec eux à dire je, « je suis un révolutionnaire ». Et au début, ils étaient très hésitants, et petit à petit, ils étaient de plus, euh, de plus en plus, ils parlaient de plus en plus fort, ils l'affirmaient avec de plus en plus de conviction, et à la fin, ils étaient tous véritablement convaincus d'être révolutionnaires. Et je pense que si on sait que ce qui est ressorti de notre conférence, malgré ce présent un peu difficile ou très difficile, eh bien je pense que ce serait déjà une bonne chose. Je vous remercie beaucoup et au revoir.